Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Judith Langlais. Je suis chargée de déploiement pour Track Déchets. Je travaille avec Emmanuel Flau. Et j'ai un écho. C'est terrible. Oui. Pensez vraiment à bien fermer vos micros, tout le monde, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Oui. Donc, deux petites choses. Merci de couper vos micros et vos caméras. Parce qu'on va faire comme ça un peu de bande passante. Ce sera moins. Alors, commençons. Ok. Bon, désolée pour ce petit contretemps technique. Du coup, on va être avec vous pour la prochaine heure, heure et demie. Et c'est Monsieur Flau qui va donc présenter Track Déchets. Je lui laisse la parole. Et c'est parti. Voilà. Alors juste, s'il y en a un qui peut faire un retour, est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, tout à fait. Super. Bon, on va démarrer. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, Emmanuel Flau, moi, je suis inspecteur des installations classées, André Velakin, et je suis en charge depuis 2018 du déploiement de Track Déchets. Alors, Track Déchets, on va parler d'un rappel des fondamentaux. Surtout pour tous ceux qui ne connaissent pas, beaucoup en ont entendu parler, mais on va faire un retour sur les informations générales de Track Déchets. Les bandereaux qui sont utilisés par les centres VHU, garages principalement, je vais faire un focus dessus. Et puis, bien sûr, je pense qu'il y aura des questions, métiers, réglementations, etc. Donc, on va faire une session questions-réponses. Alors, en live, vraiment, vous noterez bien vos questions dans le chat et je vous répondrai directement pour éviter la cacophonie. Et puis, on vous parlera des prochaines étapes, comment utiliser Track Déchets, devenir bêta testeur, communiquer, etc. Donc, si ça vous convient, on va commencer. Alors, sur les fondamentaux Track Déchets, c'est une plateforme du ministère de la Transition écologique qui vise à tracer, dématérialiser tous les bordereaux de déchets dangereux. Alors, on est soutenu par la Direction générale de la prévention et des risques. On travaille dessus depuis 2018, comme je vous le disais. Ça veut dire que depuis le début, on a travaillé sur le bordereau classique en co-construction avec les utilisateurs, les syndicats, les fédérations qu'on a invités systématiquement. L'objectif, c'est de construire quelque chose qui s'adapte au terrain. C'est une plateforme d'utilisation gratuite et dont la réglementation prévoit l'obligation à compter du 1er janvier 2022. Alors, pourquoi on a mis en place Track Déchets? Vous êtes tous un petit peu informés hein, des risques et des enjeux liés à la traçabilité papier. C'est-à-dire que la gestion des bordereaux papier différentes en plus par typologie de déchets, c'est quelque chose de chronophage, de coûteux pour les acteurs. Et le ministère fait en plus des études qui montrent que c'est vraiment, ça prend des ETP et que c'est très coûteux. Il y a un risque environnemental lié à cette traçabilité. Et le risque environnemental, il est double. Les producteurs de déchets dont vous êtes souvent sont responsables des déchets jusqu'à élimination et valorisation finale, vous le savez. Pour autant, vous ne pouvez pas maîtriser toute la chaîne. Donc, il y a un vrai risque, c'est qu'en bout de chaîne, quelqu'un vous lèse et mette les déchets dans la rivière et vous renvoie un bordereau ou n'en renvoie pas souvent. Et puis, les faux bordereaux qu'on trouve hein, avec des faux tampons qui permettent de tracer des déchets. Et l'outil doit aussi s'adapter à la réglementation. Ça veut dire que bon, si on peut, on l'anticipe, mais on prévoit qu'on soit toujours en règle avec la réglementation et notamment sur tout ce qui sort en ce moment sur la loi économie circulaire et les registres. Donc, voilà. Alors, deux propositions de valeur de Track Déchets, en plus hein, d'une valeur
environnementale au sens large du terme, c'est simplifier la gestion quotidienne de la traçabilité. Alors, pour tous les acteurs qui utilisent Track Déchets, les acteurs qui s'interconnectent avec d'autres outils, et ce, au quotidien, et puis sécuriser la chaîne de traçabilité. Ce que je vous disais, c'est que un producteur ne sait pas toujours à qui il confie les déchets. Donc, c'est nous être en mesure de savoir à qui vous les confiez, de le vérifier et de vous alerter s'il y a un problème. Alors, comment fonctionne Track Déchets? C'est une plateforme centrale qui interface ou interconnecte tous les acteurs, qu'ils aient ou non un outil. Ça veut dire que vous soyez producteur, transporteur ou professionnel, vous pouvez utiliser Track Déchets soit en propre, soit en interconnectant un outil métier à Track Déchets. Alors, l'avantage de l'interconnexion, c'est qu'on va échanger des informations, mais que vous allez utiliser toujours votre logiciel comme avant. Et en toute transparence, Track Déchets va vous pousser des bordereaux et vous allez pousser des informations dans Track Déchets. Et pour ceux qui n'ont pas du tout d'outils, l'objectif, c'est qu'ils puissent utiliser la plateforme, peu importe l'étape, pour suivre ou gérer ou tracer des bordereaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Track Déchets? Eh bien, on peut éditer un bordereau en mode brouillon, le transmettre à des personnes qui sont également visées sur le bordereau. On va suivre les étapes des déchets en temps réel. Donc, on sait si le déchet a été enlevé, collecté, s'il est arrivé sur un site d'entreposage, s'il a été traité. Donc, toutes ces étapes-là sont reprises dans le tableau de bord. Et puis, il y a la possibilité d'exporter un registre de déchets, un registre réglementaire qui s'adapte au type de registre que vous souhaitez. Registre transport, registre entrant, sortant, etc. Ou un registre exhaustif de toutes les données qui vous concernent. Ce qui vous permet après de gérer les données, de faire des statistiques, etc. Alors, il y a différents bordereaux qui sont utilisés par la profession. Alors, j'ai mis VHU, mais il y a aussi... Des garagistes, il y a un petit peu de tout le monde dedans qui est présent, mais ça concerne un petit peu tout le monde. Par contre, je reprends du coup, on a un bordereau VHU. Alors, je fais un petit rappel à chaque fois, je vais vous parler des bordereaux, un petit rappel réglementaire, mais c'est rapide. Donc, il y a une obligation de par l'agrément de tracer des véhicules hors d'usage, d'assurer la traçabilité. Donc, tous les exploitants de centres VHU peuvent le faire. Et le broyeur, lui, il est tenu de renseigner aussi la traçabilité de son côté. Alors, aujourd'hui, la traçabilité des véhicules en usage, elle est faite avec cette fameuse annexe 3, qui est une annexe de l'agrément, pour lequel il y a des champs qui deviennent un petit peu obsolètes et il y a aussi forcément des champs manquants. Alors, les dates de validité d'agrément, ou les numéros de l'ordre de lot, c'est des choses qui sont compliquées à gérer. Et la destination ultérieure prévue, voir si elle est connue ou pas, s'il y a besoin de la savoir. Voilà, c'est un document qui posait beaucoup de questions. Du coup, Track Déchets a travaillé sur la mise en place d'un process de suivi de traçabilité des véhicules en usage, des carcasses, et ce qui donne un document unique sur une page sur lequel on a forcément aussi ajouté des nouveaux éléments. Alors, pourquoi on a ajouté des nouveaux éléments? C'est parce que pour la traçabilité et pour votre registre, qui est obligatoire, il y a des champs qui manquaient. Clairement, le code déchet, le code traitement, c'est des choses qu'on n'avait pas. Le numéro de bordereau, il va devenir obligatoire avec Track Déchets, et c'est un numéro unique. Ça a l'avantage de ne pas retrouver le 2021-001 chez tout le monde. Et dès le départ, donc, on a un émetteur du bordereau qui est un centre VHU, un démolisseur, qui va pouvoir dire j'envoie mon véhicule ou mes carcasses vers un broyeur ou un autre démolisseur, parce que c'est possible. Je renseigne les éléments de traçabilité, je confie les déchets au transporteur et l'installation de destination va pouvoir attester de l'arrivée sur son site et du choix de traitement qu'elle opère, sachant que pour faciliter le travail, on ne met pas toutes les listes de traitements possibles, on met ceux qui sont réservés aux carcasses VHU directement, donc les R4 et les R12. Alors, sans rentrer techniquement dans le détail, quand on va créer un bordereau, dans le cadre rouge, vous voyez, tous ceux qui sont sur le bordereau peuvent le faire. Donc, ce n'est pas forcément
Moi, le producteur ou le centre VHU qui le fait, ça peut, alors ça va être souvent le cas, mais ça peut très bien être l'installation de destination. Donc, mon broyeur, il a l'habitude de me faire des bordereaux, mais il va continuer, si vous le souhaitez, de faire les bordereaux, c'est possible. Par contre, dans les étapes de signature, quand on signe, on va figer un cadre particulier. Le centre VHU de départ va figer tous les éléments qui concernent son identité, là où il veut envoyer les bordereaux, les véhicules en soi, l'identification, etc. Lui, il valide pour tout ça. Le transporteur valide pour sa partie, la prise en charge. Et puis à l'arrivée, il y a l'acceptation et l'opération réalisée par l'entreprise de destination. Alors, si vous avez vraiment besoin d'informations techniques sur l'API, on pourra revenir vers vous pour ceux qui le souhaitent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a simplifié l'API VHU au maximum de façon à ce qu'elle soit intégrable assez rapidement. Le numéro, il est automatique hein, par trac déchet. Donc, dès que le numéro commence par VHU, mais vous savez que vous tracez un véhicule, un ou des véhicules hors d'usage. Et puis, donc, dans l'interface d'utilisation de track déchets, donc tout le monde peut éditer les bordereaux s'il le souhaite. Il y a des bordereaux favoris ou des acteurs favoris que vous utilisez régulièrement qui reviennent. On a amené plein d'améliorations qui permettent de refaire un bordereau que vous avez déjà fait en deux clics. Vous êtes une casse auto, vous envoyez toujours au même broyeur, vous dupliquez le bordereau que vous avez utilisé et après, en fait, en deux clics, vous avez un nouveau bordereau. Vous avez un tableau de bord qui reprend tous les types de déchets que vous utilisez, tous les bordereaux que vous avez sont dans le tableau de bord et vous pouvez les suivre. Évidemment, vous pouvez aussi faire des filtres pour ne suivre que les VHU, que les flux de frigo ou que les déchets classiques. Et puis, comme je vous le disais, il y a un registre qui s'incrémente automatiquement et qui est disponible sur Track Déchets. Alors, les garages, centres VHU, vous gérez aussi des flux de frigorigène. Donc, j'ai voulu faire un petit focus dessus parce qu'on travaille également sur ce déchet. Alors, on va passer le rappel réglementation parce que je l'ai fait pour une généralisation, mais la fiche d'intervention, vous n'y êtes pas soumis parce qu'il y a une dérogation. Et ensuite, tout ce qui est traçabilité, obligation, mais c'est le même décret qui oblige. La dématérialisation avec track déchets. Alors, sur le bordereau flux de frigorigène, aujourd'hui, si vous vous penchez bien sur la traçabilité, elle est un petit peu compliquée. On passe la fiche d'intervention pour les équipements, mais derrière, sur les collectes de petites quantités, on a une annexe 1 qui est à joindre, à compléter, à joindre et à faire signer. Et éventuellement joindre les fiches d'intervention. Et si on transfère après des contenants, il faut joindre l'annexe 2 au bordereau classique. Donc voilà, c'est en fonction des choix ou des étapes, c'est une traçabilité un petit peu complexe. Et la complexité et la dématérialisation, évidemment, ça ne va pas ensemble. L'objectif d'une dématérialisation, c'est d'arriver à avoir des étapes d'API similaires, clés et de la traçabilité assez simple. Du coup, on vise à aller vers un seul support, le récépissé de track déchets que vous voyez à droite, qui permet toutes les étapes. C'est-à-dire, on peut collecter des déchets issus des fiches d'intervention. On peut juste, alors pour votre cas, dire tracer des déchets de flux de frigorigène, grouper des contenants, faire du reconditionnement et du transit. L'objectif, c'est que peu importe toutes les étapes, on associe toujours la traçabilité, donc on conserve l'historique. Et si vous avez confié vos déchets à quelqu'un, que ça passe par un entreposage provisoire et qu'après, en destination finale, c'est incinéré, ailleurs, vous aurez l'historique de la traçabilité liée. Du coup, le récépissé se présente un petit peu comme ça. Donc, j'édite un bordereau pour la collecte de fluide, pour tracer un flux frigorigène, pardon, etc. Donc, le choix, c'est les mêmes choix dans Track Déchets. Le numéro bordereau s'affiche tout seul et puis l'installation de destination, c'est quelque chose de classique. Ce qui change un petit peu, c'est qu'on trace des contenants. C'est-à-dire qu'on va tracer une bouteille de 200 litres qui a un numéro et qui va contenir des flux de frigorigène. Tout ce qui est code déchets, code UN, on va vous aider parce que la liste est assez
est arrêtée. Donc, on pourra proposer une liste arrêtée dans Track Déchets. Ensuite, on renseigne la destination finale, le transporteur. Donc là, voilà, c'est la même chose. Et puis, l'installation de destination va devoir accepter le déchet. Et là, elle va indiquer ce qu'elle en fait. Est-ce qu'elle fait de la récupération, de l'incinération, du groupement, du reconditionnement, etc., etc. Pareil, ce sont des opérations qu'on a identifiées avec les acteurs et où la liste est vraiment arrêtée de façon à avoir un choix restreint et simplifier l'utilisation et le process. Donc, date et signature. Et si vraiment le déchet a été seulement regroupé pour partir à l'étranger, on doit renseigner l'installation de destination prévue. Alors, on le renseigne parce qu'on a obligation de dire au producteur où vont ces déchets. Donc, ça reste informatif, mais on a obligation de le dire. Et je vous parlais des détails de traçabilité. En fait, en page 2 du bandeau, si vous vouliez tracer 3, 4 ou 5 contenants, le tableau en page 2 va se compléter avec les contenants qui sont associés à cette traçabilité. Si jamais il y avait des fiches d'intervention, alors ce n'est pas votre cas, mais elles sont renseignées là. Par contre, votre cas est concerné par déclaration d'exemption de fiches d'intervention pour certaines activités. Donc, dans ce cas-là, ça vous permet de faire un bordereau en disant, voilà, je n'ai pas de fiche d'intervention, mais j'ai bien collecté des petites quantités de par mon activité. Et puis, si c'est un bordereau de groupement, ben, c'est le tableau du bas. Dans ce cas-là, on y associe. Donc, la personne qui fait le groupement va associer tous les bordereaux lié à ce groupement, et donc on retrouvera toujours l'historique de traçabilité. Voilà un petit peu comment ça va fonctionner. Dans l'API, c'est un petit peu c'est la même chose que le bordereau VHU. On est resté sur des étapes simples où quand je signe, je fiche tout ce qui est avant moi, tout simplement. Ça veut dire que ce qui est après reste modifiable jusqu'à la signature. Et dans l'interface, c'est la même chose. Donc tout le monde peut éditer un bordereau Fluide Frigo s'il le souhaite. Donc votre opérateur, s'il veut vous le faire, il le fait. Si vous souhaitez le faire vous-même, vous pouvez. Il y a toujours des favoris. On a toujours un tableau de bord unifié, unique, etc. Et puis des filtres de recherche et le registre qui s'alimente. Et le BSDD classique, alors, il existe hein, depuis plus d'un an. Il est utilisé dans Track Déchets. Alors, si vous avez un outil métier, toujours la même chose. Il y a une connexion disponible depuis un an via l'API Track Déchets. Les fonctionnalités évoluent au fil de l'eau, c'est l'objectif. Il y a une documentation complète du fonctionnement, des queries disponibles, un playground pour tester, un forum technique pour poser des questions à nos développeurs. Et si vous n'avez pas d'outil métier, alors c'est la même chose, vous pouvez utiliser la plateforme directement. Donc, je vais vous montrer après. Vous créez un compte. Et puis, dès que le compte est terminé, validé, vous pouvez éditer et signer des bordereaux. Donc, voilà, ça prend vraiment 2 minutes hein, pour se créer un compte. Et après, suivre les bordereaux sur votre tableau de bord et disposer du registre consolidé. Alors, on peut prendre peut-être des questions, si vous le souhaitez, le temps qu'on prépare l'accès à la démo. Du coup, chat. Alors, un instant. OK. Les déchets non dangereux sont-ils concernés? Alors, la réglementation impose la traçabilité des déchets dangereux, mais vous pouvez tracer des non dangereux avec Track Déchets. Même question, pareil. Alors, un récapitulatif des déchets concernés. Alors oui, tous les déchets avec un code Astérix sont des déchets dangereux, ça veut dire qu'ils doivent être tracés avec à minima le bordereau classique. Sur Track Déchets, vous pouvez tracer de l'amiante, des puits de frigorigènes, des déchets chimiques évidemment, des véhicules hors d'usage et bientôt il nous reste les amalgames dentaires et les pièces anatomiques puisqu'il y a des surfaces spécifiques pour ces deux spécificités. C'est quoi l'API et l'interface? C'est vrai que du coup, c'est un langage un peu technique. Alors, c'est pour ceux qui ont un outil métier qui fonctionne avec son propre langage. Nous, Track Déchets fonctionne avec le sien. Et l'API, c'est une petite application qui est entre les deux et qui permet de dire le nom de l'entreprise dans Track Déchets, c'est ça. Et chez vous, vous récupérez la donnée, vous la
rangé en quelque sorte de votre côté. Et c'est ce qui permet de faire des échanges d'informations. Quand vous allez signer un bordereau sur votre outil, ça renvoie les informations dans Track Déchets, on les remet à disposition de tous les acteurs. Donc c'est une petite application à mettre en place entre deux outils métiers. Pour les BSV, comment faire le lien entre les deux? Vous appelez BSV sans doute le bordereau véhicule hors d'usage. Alors, on peut faire faire le lien entre deux. Entre autogeste et track déchets. Ah. Ah, pardon. Ouais, c'est ce dont tu viens de parler, l'API. Donc, ouais, du coup, j'ai expliqué comment on pouvait faire le lien entre deux outils métiers. Et du coup, n'hésitez pas à nous mettre en relation avec le logiciel que vous utilisez, donc typiquement Autogest. Il me semble d'ailleurs qu'on a été de près ou de loin mis en contact avec eux à un moment, mais n'hésitez pas effectivement à les mettre en relation avec nous pour qu'ils puissent mettre en place la connexion avec Track Déchets. Alors, prenez pas de notes, ouais, j'ai vu qu'il y en a qui demandaient si vous allez avoir la présentation. On va envoyer la présentation à Sylvain, il n'y a pas de souci. Les dates d'utilisation obligatoire, transitoire, hybride, papier, merci de préciser. Alors, ben jusqu'au 1er janvier, vous avez les deux choix possibles, c'est-à-dire vous pouvez continuer en papier et vous pouvez utiliser Track Déchets. Track Déchets en propre.
On continue. Donc là, vous voyez l'écran. Une fois que vous êtes connecté à Track Déchets, votre mot de passe, je vais aller sur l'espace de gestion. Donc ça, c'est l'espace d'information générale. Le ou les établissements que je gère, donc je peux en rajouter, hein, créer un établissement, etc. Et puis je peux gérer des établissements. Je vais aller sur celui de l'Adréal. T'es sur celui de l'Adréal, je crois. Oui, je suis sur tous. Ouais, voilà. Alors, du coup, quand vous avez un établissement à gérer, dès que vous allez mettre le SIRET, code NAF et adresse, nous, on va aller les chercher sur une base qui existe déjà, donc vous n'avez pas à le compléter. Ce que vous allez dire, c'est quel est le profil de votre entreprise. Donc, si vous êtes producteur de déchets, installation de transit, traitement, installation de traitement VHU, donc pour les carcasses et broyeurs, il faudra cocher ce profil. Installation de collecte de déchets apportée par le producteur initial, négociant, transporteur, éco-organisme, courtier. Et ces profils-là sont importants parce qu'en fonction du profil que vous avez, évidemment, vous pouvez être à une étape du bordereau ou pas. Si vous êtes que producteur de déchets, par exemple, vous ne pouvez pas récupérer, collecter des déchets. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de mettre que vous êtes une installation de tri, transit, regroupement ou de traitement et surtout un centre VHU, voilà, pour ce cas-là. Alors, on parlait des membres de l'entreprise. Sur Track Déchets, vous pouvez donc inviter des personnes à rentrer dans votre établissement et à choisir un profil de collaborateur ou d'administrateur. Vous l'invitez, reçoit un mail. Soit il a déjà un compte, il n'en a pas. Donc, s'il n'a pas de compte, il va s'en créer un. Et dès qu'il a créé le compte, il est associé à votre entreprise. Donc, vous voyez, et puis là, on peut en avoir autant qu'on veut. Idéalement, c'est bien d'avoir une adresse générique si vous avez plusieurs établissements. Parce que si quelqu'un s'en va, honnêtement, ça permet de retrouver les droits. Alors là, c'est le retour d'expérience. Ça fait un an, plus d'un an qu'on est dessus et on voit qu'il y a des gens qui.
les deux profils possibles dans Track Déchets. Donc ça, c'est en fonction de la rubrique ICPE que vous avez. Hein, sur, soit vous êtes 27,90, 70, 90, vous traitez des déchets. Tri, transit, regroupement, vous êtes 27,18, 27,15, 16, 17, etc. Du coup, je me permets juste pour clôturer de faire un petit point sur les ressources qu'on vous met à disposition pour démarrer sur Track Déchets. Donc, il y a d'un point de vue purement technique, c'est-à-dire si vous avez un outil actuellement type Opisto ou alors que vous avez un SI métier que vous avez développé vous-même, on met à disposition des ressources techniques. Le cœur de cette ressource technique, c'est l'espace développeur, ce que vous voyez au milieu. Vous avez également un forum technique en ligne qui vous permet d'interagir avec notre équipe technique. Et vous avez aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire et à travers laquelle vous pourrez suivre les évolutions techniques au fil de l'eau. Et puis ensuite, et ça c'est une question qui est pas mal remontée, comment trouver des ressources finalement pour embarquer vos clients et éventuellement vos partenaires, par exemple des transporteurs? Et là, effectivement, on a créé un portail ressources auquel vous pouvez accéder directement depuis le site de Track Déchets. Donc là, vous voyez le petit onglet ressources qui est encadré en rouge et vous avez différentes rubriques. Vous avez une première rubrique avec un niveau assez découverte, les informations génériques. Ensuite, vous avez une deuxième rubrique avec des informations un petit peu plus poussées pour aller plus loin dans votre utilisation de Track Déchets. Et vous allez retrouver des vidéos tutoriels, des questions fréquentes. Et enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une rubrique à partir de laquelle vous allez pouvoir télécharger des brochures, des mails types pour informer ou vos clients ou vos partenaires. Voilà. Ah, c'est où commencer? Alors ça, c'est pour ceux qui s'interconnectent, hein, vraiment. On le laissera dans la présentation. Mais donc, c'est prendre le temps de lire et de connaître la documentation technique parce qu'on la documente vraiment au fil de l'eau en fonction des retours qu'on a. Donc, elle est vraiment très complète. Ensuite, bah, ceux qui s'interconnectent vont vouloir tester, évidemment. Donc, on a un environnement de test exprès pour ça. Donc, créer un compte, rattacher. Mettre en place l'API, donc la petite application, l'interfaçage entre l'outil et nous, et puis tester, et puis passer à l'échelle. On renseigne toutes ces étapes parce qu'en fait, le 1er janvier, il arrive bientôt, et toutes ces étapes prennent quand même un petit peu de temps. Ça veut dire que si vous devez interconnecter votre outil, il faut bien avoir conscience que ça va nécessiter 2, 3 mois de travail, voire plus. Et voilà, c'est surtout pour ne pas perdre de temps à ça. Voilà, Alors, ouais. et peut-être juste enfin, petite précision là-dessus, cette slide sur la question de la documentation, enfin, de la connexion technique, etc., elle concerne les personnes qui doivent connecter leur outil. On a bien conscience que parmi vous, il y a des personnes qui vont également utiliser Track Déchets en direct et qui potentiellement ne seront pas concernées par cette phase de connexion. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, pour nous, on est vraiment activement à la recherche de personnes qui ont envie de tester la solution et qui auraient envie de devenir voilà, des partenaires un petit peu volontaires de la démarche Track Déchets. Ce qui veut dire que nous, de notre côté, on s'engage à la fois à communiquer sur vous en vous valorisant à la fois sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. On utilise principalement LinkedIn. Et donc voilà, on s'engage à communiquer, mais également à vous accompagner, c'est-à-dire que on vous propose des points de suivi, on répond à vos questions, et vous avez un petit peu cet accompagnement privilégié en tant que partenaire volontaire. Et en face de ça, on s'attend à ce que non seulement vous soyez inscrit sur Track Déchets, mais que également vous ayez embarqué au moins une chaîne de traçabilité complète avec laquelle vous faites circuler des bordereaux de suivi de déchets. Voilà, et puis ensuite, deuxièmement, nous, on cherche également à communiquer massivement auprès du secteur. Donc là, on a eu cette opportunité et on remercie le CNPA pour ça, de pouvoir s'adresser à de nombreux acteurs du secteur. Mais on cherche évidemment
des manières de communiquer le plus possible. Et donc voilà, on est partant pour concevoir des ressources dédiées avec vous, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ça, et puis également pour trouver de nouveaux canaux à la fois officiels et informels avec vous, donc que ce soit de la presse, mais aussi ça peut être peut-être des associations, ça peut être des réseaux sociaux, enfin voilà, on est hyper ouvert pour identifier ces canaux avec vous, donc n'hésitez pas surtout à nous... Ah, on n'a pas mis les contacts. On le mettra, c'est juste ouais. Si vous êtes intéressé, soit pour être bêta-testeur, soit pour travailler sur la diffusion de l'information avec nous, on mettra le contact sur lequel vous pouvez vous mettre en relation avec nous à la fin de la présentation. Encore une fois, merci beaucoup au CNPA. Et moi, j'insiste parce que le CNPA, depuis le début de l'aventure Track Déchets, on va dire, on les a associés à nos premiers ateliers de traçabilité. On note les retours, les attentes de la profession. Et on a fait évoluer le bordereau aussi en fonction de ces retours-là. Donc, il y a un vrai enjeu de ce côté-là. Et puis, le délai pour être connecté ou pour utiliser Track Déchets est assez court. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout ce qu'on vous a mis à disposition. Voire à revenir vers Track Déchets, vers le CNPA, pardon, Sylvain, pour si vraiment il y a des choses qu'il faut approfondir avec vous. Merci beaucoup, en tout cas. Peut-être que Sylvain, vous voulez dire un mot de la fin ou Claire. Je voulais vous remercier déjà pour la présentation, c'était vraiment très clair. On a bien compris comment utiliser Track Déchets. Donc oui, la présentation, on va vous la diffuser par mail à la fin. Et aussi, donc la présentation a été enregistrée, donc elle sera disponible sur YouTube dans les jours qui viennent. Pour ajouter, si jamais vous avez encore des questions. De la part des différents adhérents, n'hésitez pas à nous les remonter, comme ça on peut faire le lien avec Track Déchets directement et élaborer une FAQ un peu plus poussée sur les questions que vous avez encore. On ne vous entend plus. Ah. Oui, on n'a peut-être pas pu répondre à toutes les questions, hein. On est désolé, on passait les plus importantes en prio. Ouais. Pas de souci. En tout cas, merci encore. Merci à vous, merci à tout le monde. À bientôt donc sur Track Déchets, je suppose. Voilà. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.